Bonjour les enfants, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va expliquer une nouvelle leçon dans le livre, page 12. Alors, c'est l'emploi de tu et de vous. L'emploi de tu et de vous. Alors, quand j'utilise le pronom tu et quand j'utilise le pronom vous, alors, on commence par le pronom tu. Alors, j'utilise le pronom tu pour s'adresser à une seule personne. C'est-à-dire, je parle avec une seule personne. Une seule personne. C'est un pronom singulier. Oui, c'est un pronom singulier. Ou bien, quand je parle à une amie, alors je parle avec mon ami, c'est-à-dire, je dis tu. J'utilise le pronom tu. Exemple, regardez, Alice, tu fais ton devoir. Alice, tu fais ton devoir. Alors, je parle maintenant avec Alice seulement, avec une seule personne. Alors, j'utilise le pronom tu. Très bien, j'utilise le pronom tu. Le pronom vous. Alors, quand j'utilise le pronom vous pour s'adresser à plusieurs personnes, c'est-à-dire c'est un pronom pluriel. Faites attention, le tu c'est un pronom singulier, mais le vous c'est un pronom pluriel, oui. Ou à une personne inconnue. Alors, ou une personne âgée, c'est-à-dire une personne grande. Comme grand-père, grand-mère, ma maîtresse, mon professeur, etc. Alors, c'est une façon familière de s'exprimer. C'est-à-dire, je parle avec une personne âgée. Alors, quand je parle avec mon monsieur ou bien mon professeur ou bien ma maîtresse, je ne dis pas tu. Alors, j'utilise le pronom « vous » pour respecter mon professeur, ma maîtresse, ma mère, mon père, etc. Alors, exemple. Comment vous vous appelez, monsieur? Oui, j'utilise le pronom « vous ». Faites attention. Pourquoi? Parce que je parle avec un monsieur. Oui, c'est une personne âgée. Alors, j'utilise le pronom « vous ». Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on utilise le pronom tu quand, oui, quand je parle avec une amie ou bien une seule personne. Alors, c'est un pronom singulier. Et j'utilise le pronom vous quand je parle avec plusieurs personnes. Alors, c'est un pronom pluriel. Ou je parle, ou quand je parle avec une personne inconnue, c'est-à-dire je ne la connais pas, ou une personne âgée, Alors, j'utilise le... Maintenant, on va faire un petit exercice. Alors, regardez, complète les questions suivantes en employant tu ou vous et conjugue le verbe aller. Alors, maintenant, je vois ici avec qui je parle. Et je vais mettre le pronom convenable et après, je conjugue le verbe aller. Oui. Alors, la première phrase, je parle à Mounir. Oui, c'est-à-dire une seule personne. Alors, j'utilise oui, le pronom tu. Très bien. Alors, maintenant, on va conjuguer le verbe aller avec le pronom tu. Oui, tu vas. Alors, quand je parle à Mounir, je dis tu vas à l'école. Oui. Alors, la deuxième phrase, je parle maintenant à la maîtresse, c'est-à-dire oui, une personne âgée. Oui, il faut respecter ma maîtresse. Alors, j'utilise le pronom. Oui, vous. Très bien. Après, je conjugue le verbe aller avec le vous, c'est-à-dire aller.
je, vous allez. Alors, vous allez. Vous allez en classe. Vous allez en classe, madame? Oui. Troisième phrase, la troisième phrase, c'est à ma mère. Je parle à ma mère. Alors, il faut respecter ma mère. Oui, j'utilise le pronom exactement. Vous. Très bien. Vous allez. Puis le verbe aller. Oui. Vous allez au marché le matin? La dernière phrase, c'est à mon ami. À mon ami, ma copine, ma camarade, etc. Ma soeur, mon frère. Ici, à mon ami, je parle à mon ami, c'est-à-dire une personne qui a le même âge comme moi. Alors, j'utilise très bien. Tu. Le pronom, j'utilise le pronom tu. Tu vas. Tu vas au restaurant? Tu vas au restaurant. Maintenant, on va faire l'exercice du cahier d'activité. Alors, ouvrez le livre, le cahier d'activité, page 5, exercice numéro 6. Observe les dessins et complète le dialogue avec le pronom vous ou tu. Alors, la première phrase, qu'est-ce que vous voyez? Je vois deux garçons. Deux garçons, c'est-à-dire les deux garçons ont le même âge. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, comment t'appelles? Comment t'appelles? Oui, comment t'appelles-tu? Comment t'appelles-tu? Pourquoi j'utilise le pronom tu? Parce que les deux garçons ont le même âge. Alors, et le verbe s'appeler se conjugue avec le pronom tu. T'appelles? Oui. Très bien. La deuxième image, regardez, c'est une mère qui parle avec son fils. Oui, veut point manger. Veut point manger. Oui, veux-tu manger? Parce qu'elle parle avec un petit-fils, son petit-fils. Oui. Alors, la troisième phrase, la troisième image, est point notre professeur, c'est un élève qui parle avec sa maîtresse. Alors, on utilise le pronom vous. Très bien. Très bien. Pourquoi j'utilise le pronom vous? Parce qu'il y a le verbe être qui se conjugue avec le pronom vous et l'élève parle avec, oui, sa maîtresse. La quatrième image, regardez, c'est un médecin qui parle avec un patient. C'est-à-dire, il ne le connaît pas. Alors, on utilise le pronom vous. On utilise le pronom vous. Très bien. Point avait de la fièvre. Point allez rester au lit. Alors, j'utilise toujours le pronom vous. Ici, vous et ici, vous encore. Vous avez de la fièvre. Vous allez rester au lit. Très bien. Alors, la cinquième image. Quel âge a... Oui, quel âge as-tu? Très bien. Quel âge as-tu? Très bien. La dernière image, je point aide à traverser la rue. Je point aide à traverser la rue. Alors, qui parle? C'est le garçon. Avec qui il parle? Avec un vieil homme. Un vieil homme, c'est-à-dire, peut-être il est son grand-père, etc. Alors, oui, il doit le respecter. Alors, j'utilise... Oui, le pronom vous. Le pronom vous. Très bien. Très bien. Maintenant, on va faire l'exercice numéro 8, page 6. Complète les questions en employant vous ou tu. Et utilise le verbe avoir. Oui. Oh, regardez ici avec qui je parle. Au professeur. Très bien. Alors,
Oui, j'utilise le pronom vous. Très bien. Et je conjugue le verbe avoir avec le pronom vous, c'est avez. Vous avez des enfants? Vous avez des enfants? Très bien. La deuxième phrase, à ton ami. À ton ami. Oui, j'utilise le pronom tu. Et je conjugue le verbe avoir avec le pronom tu, c'est ah, tu as des bonbons à la boulangère, c'est-à-dire une grande personne. Une grande personne, une personne âgée. Alors, oui, j'utilise le pronom vous. Vous avez du pain frais. Oui, très bien. Ah, à ton papa, oui, j'utilise toujours le pronom vous, vous avez. Vous avez de la monnaie? Oui, très bien. À trois autres enfants, alors je parle avec plusieurs personnes. Oui, c'est-à-dire je parle, j'utilise le pronom vous. Vous avez un crayon bleu. Vous avez un crayon bleu. Très bien. Alors maintenant, je termine ma leçon. J'espère que vous avez bien compris. Merci les enfants et à la prochaine.